Actuellement, nous ne sommes pas à Abidjan. Nous sommes à plus de 400 km d'Abidjan. Je vous ai dit, ici en Côte d'Ivoire, ça travaille partout dans le pays. Regardez vous-même. Regardez l'université de Bondougou, tout est beau ici. Regardez, magnifique encore. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On voit clair dans tous ses côtés. Magnifique à voir. Regardez, suivez-moi. Moi, le candidat. C'est l'université de Bondougou qui a un taux d'avancement de 95% et qui ouvrira ses portes à la rentrée 2023 avec un effectif de 3000 étudiants. Voici l'administration qui a construit ces 4 niveaux. Je salue PDU, programme de décentralisation des universités en Côte d'Ivoire. Voici l'université de Bondougou qui est construit sur 305 hectares avec un coût de 67 milliards de francs CFA qui est capable d'accueillir plus de 20 000 étudiants, faut croire. C'est pas du jeu. Et qui a une cité universitaire de 1000 lits, 500 lits dans le premier bloc et 500 lits dans le deuxième bloc. Ici, c'est le haut niveau. On joue pas avec les travails. Après l'ouverture récente d'université de Mans et de San Pedro, voici l'université de Bondougou, la 8e université qui ouvrira ses portes en octobre, mois prochain, devant tout le monde. D'ici le mois prochain, tout ici sera propre, c'est rapide, ça travaille dur ici. Actuellement, nous sommes au nord-est, environ 416 km d'Abidjan. D'ici octobre, tout ici sera propre. Oui, on dit président Guépa, c'est le poids lourd des présidents. Notre pays, ça bosse, ça travaille. C'est ça on dit le plateau a été déplacé ici à Bondougou. Regardez le bâtiment de la présidence à l'université de Bondougou. T'as pensé que c'est la Maison Blanche à Washington ou bien Élysée à Paris. Non, c'est une université chez nous à Bondougou. Voilà ça. Et vous êtes dit où? Il dit la Côte d'Ivoire n'a pris frein. Voilà ça. C'est l'impossible on fait en Côte d'Ivoire. Voici la toute première école d'architecture et urbanisme publique depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça devant tout le monde. À Bondougou, oui, ça reste dans l'histoire. Oui, ce qui se passe hors d'Abidjan est tout simplement magnifique. Regardez l'université de Bondougou. Oui, l'État ivoirien a mis du paquet ici. Regardez les deux bâtiments. Le bâtiment d'architecture et urbanisme. Les deux bâtiments sont reliés par la passerelle métallique que vous voyez juste là. Donc, il y aura une communication entre les deux bâtiments. L'université de Bondougou est une université de dernière génération avec des matériels de haute gamme. Même en Europe, avoir ce genre d'université, c'est pas facile. C'est dernière génération, regardez vous-même. Recevez les 5 amphithéâtres, les 5 grands amphithéâtres, voilà, ça devant tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire, c'est déjà fini, ça a les petites touches, tu vois un peu long, ça a les petits, les gazons. C'est la Côte d'Ivoire, c'est notre pilote, c'est notre fait bouger l'Afrique. C'est pas la même chose. On construit une université 3-3, sur 305 hectares. Je m'appelle Gessanti, je suis très fier d'avoir participé à la construction de l'université de Bondougou. Et je fais grâce à travaux à vous, très bien. Oui, PDI a mis l'amour ici, faut croire. Voici encore hôtel, au standing de 50 chambres. C'est à Bondougou, on voit ça. Regardez vous-même, c'est Tchou ou bien c'est pas Tchou. C'est la Côte d'Ivoire. Oh. Ici à l'université de Bondougou, les étudiants sont des princes. Tu quittes dans ta résidence pour aller au resto ou au cours. Le soleil ne doit pas te taper, ni la pluie. Voici la galerie qui a la magnifique 4 km. Voici une nouveauté encore, hôtel des anciens. C'est nous, pilote l'Afrique. Voici la villa des professeurs de l'université de Bondougou. Une villa VIP avec toutes les commodités. Tu viens avec ta valise, tu dors, il y a tout dedans. Tout est prêt pour toi. Voilà ça, devant tout le monde. À Bondougou. L'université de Bondougou est construite sur 305 hectares et qui est capable d'accueillir plus de 20 000 étudiants. L'université ouvrira ses portes à la rentrée 2023-2024 en octobre prochain. Avec 3000 étudiants pour un début, nous sommes à 95% de taux d'avancement des travaux. Voilà ça devant tout le monde. C'est sur la journée. L'université est construite sur 305 hectares avec une clôture de 10 km. C'est nous, on fait ça. En Côte d'Ivoire, on construit l'université 3-3. Ça va. 300 hectares. Bientôt, il y a la construction d'université Totieni construite sur 300 hectares. C'est nous, on fait ça. L'université de Mans, San Pedro, tout s'est construit sur 300 hectares. Par l'État de Côte d'Ivoire. PDU, programme de décentralisation des universités. En Côte d'Ivoire, ils vont mettre l'amour là-bas encore. Il n'y a pas de blakasuma ici. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait la fierté de l'Afrique. Construit les universités dans tous les districts du pays. Oui, c'est un autre niveau. C'est une autre compétition. La Côte d'Ivoire n'en vit aucun pays. Regardez l'université en Côte d'Ivoire. À Bondougou, vous voyez, on n'a pas les mêmes gabarits. C'est nous, on pilote l'Afrique. L'Afrique est dans notre main. Dieu bénisse la République ivoirienne. Il faut croire. Côte d'Ivoire, les 225. Nous sommes en Afrique de l'Ouest avec nos 5 frontières. Avec une superficie de 322 462 km², avec une population de 29 millions d'habitants, il n'y a pas de danger. Voici l'université de Bondougou qui déclare sa beauté devant tout le monde. Devant tout le monde. Université construite sur 305 hectares. C'est pas amusément, c'est une ville en temps normal. 305 hectares. Applaudissements.